Salut à tous, c'est Chris. Revue rapide aujourd'hui, encore une de plus du Blackview R7. Une revue rapide de plus parce que vous l'avez vu, je vous l'ai dit, beaucoup de matériel reçu en mon absence pendant mes congés. Et je rentre chez moi et qu'est-ce que je trouve? Une pile d'emballages sur mon bureau et du coup, beaucoup de boulot. Alors, Blackview a sorti, on va dire, un flagship. Un flagship, le R7 équipé d'un super processeur, le Helio P10. Donc un premier smartphone chez Blackview, très puissant. Et Blackview avait annoncé vouloir faire les choses en bien et voilà, quelque chose qui soit nickel. Alors, premier point, ce téléphone vient de la boutique TomTop, chez qui on l'avait commandé. Alors, boutique TomTop qui semble-t-il ne désire pas trop travailler avec nous. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, une boîte classique chez Blackview. La boîte carrée. Très, très classique chez Blackview. Le téléphone, le voici. Son nom, le voici. Je sors le téléphone. Rebonjour à tous, c'est Chris. Alors, pourquoi me revoilà? J'ai fait une coupure et je reviens. Pour la simple et bonne raison, c'est que je m'étais dit, je vais faire une revue. J'ai changé d'avis, je vais faire tout de suite le test. Pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que en le recevant, je me suis dit, ça vaut le coup pour ce Blackview R7, a priori, de faire un premier test, et puis de voir par la suite des tests plus évolués, et donc de prendre le temps de vous le présenter. Mais malheureusement, les choses que j'ai commencé à tester m'ont montré que peut-être que ça valait pas le coup. Alors, sans être méchant, je le dis tout de suite, je ne veux pas être méchant, mais comme j'aime le dire aux gamins, aux enfants, exagérer n'est pas mentir. Et hier soir, ou avant-hier soir, bon bref, peu importe au moment où je publierai cette vidéo, mais la veille au soir, j'ai vu un titre, mais alors des plus racoleurs sur ce Blackview R7. Donc sa boîte est ici, lui il est là. Un titre, mais alors c'est du racolage pur. Le Blackview R7, c'est un Galaxy S7, pas cher. Alors, je ne sais pas si ce reviewer a eu un Galaxy S7 entre les mains, mais le Galaxy S7 va sous l'eau, par exemple. Un écran, certes, 5,2 pouces, 5,1 pouces. Là, nous sommes sur du 5,5. Bon, je cherche un moyen de pouvoir faire correspondre un Galaxy S7 et ce Blackview R7, je n'en trouve pas. Bref, vous allez voir les tests et puis je vais vous montrer tous les petits détails qui font que on est loin d'un Galaxy S7. On est peut-être au-dessus de la gamme, effectivement, chez Blackview. Mais alors, que de progrès encore à faire chez Blackview, et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais vous le présenter tout en détail, avec l'ensemble des tests. Alors, suivez-moi et on va aborder ça tout de suite ensemble. Le R7 qui était annoncé par Blackview depuis un moment déjà et qui annonçait tout de même un smartphone orienté quand même, on va dire, milieu haut. Hein, donc pas du haut de gamme, mais du milieu haut. Alors moi, je l'ai reçu. Effectivement, dans la main, il fait bonne impression. Il est lourd. Premier point, il est lourd. Alors, il fait son poids, très clairement. Il est doté d'un châssis plutôt joli, puisque pas trop clinquant. Vous l'avez vu dans la présentation d'avant générique, où j'ai essayé de montrer justement cette courbure. Regardez bien, on la voit quand même. Hein. On voit bien cet arc ici. Voilà, on s'en est plus épais ici qu'au milieu. Voilà, on le voit bien. Donc, écoutez, comme ça en main, il fait première impression, ça fait une bonne impression. Bon, maintenant, que dire? Alors, ce téléphone, il est autour des 170 euros, ce qui n'est pas donné en soi, hein, bien sûr. Surtout pour un téléphone au même prix que d'autres, équipé du même processeur. Lui ne propose pas
Premier point, deux boutons rétroéclairés. Deuxième point, il ne propose pas de LED de notification. Et c'est là que je me suis dit, je déchante un peu. Parce que vous avez vu ma précédente vidéo, le TCL Flash Plus 2, il offre tout. Et pour le même processeur, quasiment pour le même prix. Voilà. Et lui, n'offre pas ce genre de choses. Et c'est là que déjà j'ai déchanté la première fois que je l'ai allumé et vu ces petits points. Alors ensuite, il paraît que la coque arrière est en métal. Alors, c'est un métal traité anti-glisse. Alors effectivement, quand vous le tenez en main, ça glisse pas du tout. Mais alors l'effet est très plastique en fait, c'est assez étonnant. Et alors je vais essayer de vous montrer la chose qui m'a déplu. Alors je pense que c'est soit un défaut de fabrication et je ne sais pas si je serai le seul encore et que peut-être je vais me faire encore allumer sur YouTube avec des messages. Ouais, tu me fais bien rire avec ta connerie de machin, mais moi le mien j'ai pas le souci. Bon, ok, d'accord. Moi, je présente juste un téléphone que j'ai reçu. Je ne sais pas si c'est l'ensemble des téléphones ou si ce n'est que le mien, mais en l'occurrence, voilà le défaut de ce Blackview R7. Est-ce que vous voyez la déformation? Voilà. Regardez la lumière. Eh bien, écoutez, voilà, voilà, voilà. Vous voyez le creux que ça fait? Derrière, il y a un énorme trou. Regardez bien. Voilà. Il y a un grand creux. Toute cette partie est complètement creuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je me le demande. Ou alors, c'est la colle qui n'a pas collé. Je ne sais pas. Mais il y a vraiment un souci par ici. C'est creux. Voilà. Bon, bref. Autre point très décevant. Pas de traitement de surface d'écran. Donc, je le répète quand même, il est au même prix que le TCL Flash Plus 2. Vous l'avez vu dans dans ma précédente vidéo. Le TCL Flash Plus 2, il est d'une finition vraiment parfaite. Et là, le Blackview montre que Blackview encore des progrès à faire, certes. Mais quand on sort un téléphone de ce calibre, que l'on désire être dans le milieu haut, et quand on est dans le milieu haut, je pense quand même que on ne veut pas de défauts. Et là, il y a ça. Et d'ailleurs, à force de jouer avec, ça l'a déformé un peu, la coque arrière. Elle est bombée vers le bas. Bon, par contre, il y a un très bel effet de châssis qui est courbé avec cet arc. Hein, l'arc qui est ici. Sur le dessous, vous avez donc les prises USB, micro USB. Les 2x5 trous avec d'un côté pour un trou quelque part pour le micro et l'autre c'est le haut-parleur. Vous avez ici le tiroir que l'on va ouvrir tout de suite, que je vais vous montrer. Il s'ouvre très correctement, pas besoin de forcer comme une brute. Alors lui aussi, vous le voyez, une façade de tiroir qui bouge énormément. Et c'est une façade de tiroir qui est sertie, elle aussi. Voilà, donc ici, vous avez la carte micro SIM ici, une autre micro SIM ici, ou micro SIM et micro SD. Voilà, donc un châssis, un tiroir assez solide. Ouais, ça bouge pas trop, il se plie pas trop. Mais par contre, c'est cette façade, bon, malgré tout, il bouge moins que le Ulefone métal, mais ça bouge quand même un peu. Bon, c'est pas grave grave. Et par contre, il se réinsère très très correctement et très parfaitement à fleur, c'est très propre. La prise jack sur le dessus et les boutons volume et power qui ont malgré tout du jeu, vous le voyez avec la lumière. Alors du jeu dans les deux sens, mais avec un clic. Voilà, un vrai clic. Par contre, on a un vrai clic. Et vous avez une préhension en main qui est plutôt bonne pour un 5.5. Et c'est vrai que c'est... paraît-il que c'est une peinture de surface qu'ils mettent sur le métal. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que moi, je crois que je suis pas le seul à l'avoir...
analysé de cette façon, c'est que ça fait quand même un peu plastique. Bon, mais par contre, il tient très bien en main. Et puis cet effet de petits quadrillages sur le ici, le bas et le haut, qui sont des en fait ni plus ni moins que du plastique pour laisser passer les ondes. Et donc, on va l'allumer. Le voilà démarré, ce BlackView R7. Alors, pour commencer, par rapport à ce BlackView R7, vous avez vu juste auparavant les petites choses qui sont étonnantes sur ce BlackView R7, et j'espère que écoutez ma vidéo vous conviendra. Allez, on va attaquer. Alors déjà, le premier résultat, c'est AnTuTu. Je vous rappelle, le précédent TCL était au niveau de 48 000, lui il est au niveau de 52 000 avec le même processeur. C'est pour ça que je vous disais que le TCL, il est dans la norme, mais il y a quand même 4 000 points d'écart avec ce BlackView R7, qui est, semble-t-il, pas mal optimisé entre, puisque j'ai regardé en fait les résultats du test, c'est surtout au niveau 3D et RAM. Alors la RAM, lui, il a 4 Go, tandis que le TCL a 3 Go. Et il y a une différence effectivement dans ce score et sur la 3D aussi. Donc, ce n'est pas sur le CPU qu'il y a une grosse différence, c'est vraiment sur deux points, 3D et RAM, qu'il y a une différence. Je pense que c'est ce qui fait les 4 000 points d'écart. Bref, donc on a 52 000. On va regarder tout de suite les informations, comme ça on n'a pas à s'étaler pendant des heures là-dessus. Donc, je le rappelle, hein, le Helio P10 6755, Amalité 860, nous sommes en Full HD, la caméra arrière. La même chose que pour le TCL, une 13 mégapixels. On n'a pas été bien loin chez ces deux constructeurs en termes de capteurs pour la caméra. Il nous reste 25 gigas. Aujourd'hui, on a 21 gigas de disponible complètement sur, le rappel, je le rappelle, les 32 d'origine. Ensuite, le Helio P10 à 1,9 GHz, le Mali-T 860 Full HD, on a une densité de pixels de 480, on a du 8 en façade pour la caméra, la batterie est chargée à 85% actuellement, et voilà. Ensuite, au niveau des sensors capteurs, donc on a l'accéléromètre MediaTek, pas de gyroscope, un capteur de lumière, capteur magnétique, ok, l'orientation, proximité, et c'est tout. Donc rien que les sensors font penser à, très honnêtement, à un moyen de gamme et non pas à du haut de gamme. Et c'est là où j'ai du mal avec ce BlackView R7. Je ne comprends pas ce que BlackView a voulu vraiment réaliser avec ce R7. Parce que on l'annonçait comme un flagship, ils l'ont annoncé dès le départ comme un flagship, avec un capteur de caméra au-dessus des 13. Finalement, il apparaît avec un 13 et surtout avec des fonctionnalités non disponibles pour un smartphone à 175 €, tels que le gyroscope. Bon, c'est un exemple. De plus, vous n'avez pas de bouton rétroéclairé. De plus, pas de LED de notification. Et je trouve que ces deux points pour un smartphone à 175 me font penser à un smartphone à allez, 100 €. Sachant que dans les smartphones à 100 €, il y en a qui ont tout ça, certes avec un processeur moindre, mais on sait qu'aujourd'hui le Helio P10 est un processeur qui est devenu, allez, on va dire quasiment le remplaçant du 6753. Le 6753, on va le retrouver vraiment sur des bas de gamme. Donc le Helio P10, c'est vraiment un processeur devenu non plus du haut de gamme, mais du milieu de gamme. Il est vraiment entre deux eaux, ce R7. J'ai du mal à le situer, personnellement. Un milieu haut, un milieu bas, bref, il me chagrine un peu. Alors il a des specs, effectivement, Helio P10, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM. Mais bon, un écran Full HD, c'est rien d'extraordinaire. Mais en dehors de ça, il y a plein de petites choses qui font que je trouve qu'on a un peu facilement tiré des prix sur des petites choses qui finalement ne coûtent pas bien cher. Voilà, telles que la LED de notification ou les boutons rétroéclairés.
Alors, on voulait pas faire les boutons éclairés, bah dans ce cas-là, on mettait les boutons Android dans l'interface et c'était vraiment pas plus mal. C'est ce que font d'autres constructeurs et très honnêtement, c'était amplement mieux. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Le screen test. Et là aussi, des petites choses m'ont chagriné, vous allez le voir. Vous le voyez tout de suite, regardez bien en bas. Voilà ça. Ici. Alors, on n'a pas une tache blanche, on a une tache noire. Voilà. Et cette tache noire, petite, en bas, ben, c'est pas digne d'un smartphone à 175 euros. Voilà, c'est tout. Alors les bords sont assez fins, tout de même, sur les côtés. Ils doivent faire, j'ai pas mesuré, mais 1,2 mm, je pense, à peu près. Donc je crois que c'est ce qui est annoncé par Blackview. Mais alors, cette tache en bas, vraiment m'a dérangé dès le départ. Je sais, je vais être pointilleux, mais je serai pointilleux sur des smartphones qui atteignent les 200 euros. Parce que à ce prix, 175, vous avez le Echo qui est doté d'une finition parfaite. Voilà. Donc, même le Yumi Super, hein, qui est à ce prix-là, n'a pas ses défauts. Donc, lui, je crois que Blaview a vraiment été très gourmand. En termes de prix, je parle. Alors, un noir par contre bien profond, pas de souci. Et vous le voyez toujours, 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 quel que soit l'écran que vous allez faire, regardez bien, vous le voyez toujours. Alors, le rouge est pas beau. Le rouge est vraiment moche parce que je le trouve pas rouge. Je ne sais pas vous, mais à l'écran, que ce que vous voyez, je crois, c'est vraiment ce que je vois moi. Et un espèce de rouge avec du noir dedans, grisâtre. C'est pas beau du tout, c'est pas pétant, c'est pas lumineux. Il est triste cet écran, vraiment je le trouve triste. Les niveaux de gris, bon bah ils sont là, il n'y a pas de souci. Ils sont quand même plutôt bien rendus. Et là vous le voyez, les niveaux de couleurs, dégradés de couleurs, même si les couleurs sont quand même pas trop mal séparées, quoique vous voyez vous-même le jaune et le vert, c'est un peu moyen. Mais alors, à la vision comme ça manque de. Ça manque de goût, de couleurs péchues, sans être exagérées, telles que le TCL les a montrées. Le TCL, il a un écran parfaitement calibré. Là, il y a un vrai problème de calibrage. Alors, j'espère qu'une mise à jour arrivera et va recalibrer tout ça, parce que là, je trouve cet écran triste, mais triste à mourir, vraiment. C'est sans vouloir dénigrer la marque, hein, parce que la marque m'avait fait plutôt bonne impression sur d'autres modèles. Mais là, ce Blackview A7 qui vise quand même du haut, flûte quoi. C'est non, c'est pas possible de faire un écran aussi triste. Il est triste, vraiment très triste. Bon, voilà. Alors, le multitouch, c'est du 5 pouces, bon, traditionnel, rien d'extraordinaire. Le MTK Engineering, on va le regarder ça tout de suite. Donc la SIM 1 du GSM simple et la SIM 2, vous avez tout ce qu'il faut, la bande des 900. Et regardez, il est vraiment mondial ce smartphone, puisqu'il a l'ensemble des bandes Grande Europe, Asie, il a tout. Voilà, donc il est worldwide. Par la suite, je voulais vous montrer les résultats. Vous voyez toujours la tâche en bas ici? Bah voilà, elle est là, toujours, tout le temps. Alors le Blackview R7, il a un résultat sur le 3D Mark de 416. Et voilà le graphique. Voilà. On a bien fait la mise au point. Donc la température, vous voyez, elle ne bouge pas. La température reste stable. La charge de la batterie, elle se décharge. Très honnêtement, je trouve qu'elle se décharge trop vite. Il y a un souci avec la batterie. Elle fait 3000 mAh, certes, mesurée, il n'y a pas de problème, mais vous allez voir les résultats en fait de décharge, elle se décharge très vite. L'horloge CPU, vous le voyez, d'un seul coup, on grimpe au moment où en fait on demande un peu plus de frames, sachant qu'en frames par seconde, donc on est là ici au pic, on est à 25 frames maximum par seconde. Bon, c'est une Mali-T 860. Donc, quelque part, pas d'illogisme. Donc, après 3D Mark, autre résultat intéressant, c'est la nouvelle version de Geekbench. Fini les tests de batterie avec Geekbench, puisque la nouvelle version 4 a supprimé le test de la batterie. Alors,
les résultats de Geekbench 4 par rapport au CPU. Alors bien entendu, le single core, c'est toujours aussi pas terrible avec les MediaTek 8 cœurs ou même le 10 cœurs d'ailleurs. Hein. Mais par contre, on a un résultat en multicœur plutôt intéressant. Bon, après, je vous passe les détails parce que, bon, voilà. Mais on a un résultat de 2858 lorsque vous êtes en fait à 2858, vous êtes au-dessus d'un Nexus 6, d'un Galaxy S5, blablabla. Bon, voilà, donc vous avez quand même des résultats largement dans le haut du panier par rapport à la gestion du multicœur, ce qui est logique. Et en termes de maintenant, vous avez le compute qui est l'analyse en fait du GPU et avec un résultat de 1552. On vous donne les détails en fait derrière à la fin. Par exemple, traitement de fichiers RAW, on est à 42 mégapixels par seconde. Vous voyez ce genre de choses. Donc vous avez des détails. Si vous avez envie de les écrire et comparer avec d'autres smartphones, pourquoi pas. Donc c'est le premier résultat que j'ai avec ce mode compute du Geekbench V4. Voilà. À analyser après avec d'autres futurs modèles équipés du même GPU et même CPU. Voilà pour les résultats bruts de Fonderie en termes d'outils d'analyse avec des résultats bruts qui ne veulent peut-être pas dire grand chose mais qui donnent un aperçu quand même du fonctionnement de l'appareil. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo de GPS test et le temps qu'il aura fallu pour faire le fixe. Voilà, je vous mets la vidéo, c'est parti et on regarde ensemble. Voilà, le GPS test est lancé. Hein. Donc, vous l'avez vu, il a hésité, hop, 3D fixe, environ 10 secondes pour fixer, donc ce qui est plutôt pas mal. Et vous allez voir, je crois que ça fluctue un peu sur le R7, on monte à 12. Et je crois qu'on reste à 12. Un fixe du GPS plutôt rapide, environ 10 secondes, pour la première lecture, pour le premier fixe, qui est un très bon score, donc un GPS qui fonctionne très bien sur ce Blackview R7, et ça, c'est aussi un bon point. Alors, on va attaquer maintenant par caméra, son, vidéo. On va commencer par la visualisation de photos prises, et je vous les mets tout de suite. On va attaquer la lecture de vidéo et on va regarder ça tout de suite. Je zoome et le défaut de calibration des couleurs se ressent même sur les vidéos, hein, je trouve. Là, on a la luminosité extérieure qui apporte un peu de luminosité donc sur l'écran puisque j'ai le projecteur sur le côté à l'arrière. Mais très honnêtement, à regarder à l'œil nu, l'écran l'écran est triste, je trouve l'écran vraiment triste. Ayant vu un Galaxy S7, on est vraiment loin des couleurs d'un Galaxy S7. Franchement, là, c'est très très mal calibré. Il y a du travail à faire, il y a une mise à jour à faire pour recalibrer tout ça. Parce que l'écran, soit il est grisâtre de nature, ou alors c'est un défaut une fois de plus du téléphone que j'ai reçu, mais je doute de ce point. Voilà, je vais être honnête avec vous, je doute que ce soit mon exemplaire qui soit grisâtre, comme si qu'il y avait un film dessus, je sais pas, c'est difficile à expliquer en fait. Mais alors les couleurs, même si elles sont quand même bien rendues, il n'est pas pétant l'écran, sans être exagéré, il n'est pas pétant. Mais vous voyez que la définition est très propre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. La lumière extérieure améliore la couleur de l'écran. Mais à l'œil nu, c'est vraiment pas terrible, je trouve. En tout cas, pour moi.
pour ce que j'aime, pour les couleurs que j'aime voir sur un écran de téléphone d'aujourd'hui. Moi, par exemple, l'écran du TCL, ça a été un vrai plaisir et il est vraiment très très agréable à utiliser ce TCL. Alors lui, je dis pas, il n'est pas désagréable, mais entre les deux, moi, il n'y a pas photo. SoundCloud a été lancé, comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose que j'utilise. Alors là, je suis à fond, hein. Voilà. Alors le son n'est pas mauvais du tout. Il n'est pas trop dans les aigus non plus. Mais alors, qu'est-ce qui manque de pêche? Il y a vraiment, il y a, ça manque de ressort là-dessus, hein. Alors par contre, vous voyez, on l'entend qu'il a pas de pêche. Hein. Voilà, pas de pêche du tout. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Mais bon, c'est pas trop mal maîtrisé. Voilà. Je dirais qu'un son bien maîtrisé, sans trop de pêche, vaut mieux qu'un son hyper pêchu et mal maîtrisé, qui sature à fond et qui devient inaudible. Là, ça reste audible avec quelques médiums bas suivant les titres. Mais alors, voilà, pas de pêche du tout, quoi. Vraiment pas de pêche du tout. Donc maintenant, je vais vous montrer son épaisseur. On est à, vous le voyez, 9,5. 9,5 d'épaisseur, presque le centimètre. Bon, ça va, ça reste correct. On va regarder tout de suite si monsieur est OTG. Voilà, il est bien OTG. Vous le voyez, il n'y a pas de problème, ça clignote. Hop, voilà, et on va le peser parce que la pesée, par contre, c'est pas de la rigolade. La Blackview, il y a du poids. Donc voilà le poids du Blackview R7. Vous le voyez, 199 grammes. Ça commence à faire lourd dans la poche. 200 grammes de téléphone dans la poche. Voilà, top, pile 200 grammes hein, là, mesuré. Alors, dernier point que je voulais aborder sur ce Blackview R7, c'est à la fois la ROM et tout ce qui est communication. Alors, la ROM, bah écoutez, je l'aime pas. Très sincèrement, je supporte pas cette ROM que Blackview a mis sur ses téléphones. Je n'aime pas les icônes. Le système de multiples pages, je déteste ça et vous l'avez déjà entendu précédemment sur d'autres vidéos. Je n'aime pas ces ROM à tiroir. Voilà, je glisse et je glisse et je glisse et je glisse et je. Non, je n'aime pas. J'aime bien avoir une page simple, avoir le bouton toutes les applications, ROM Android de stock. S'il vous plaît, messieurs les constructeurs, soit vous customisez légèrement la ROM Android de stock, par exemple telle que celle de TCL, qui je trouve fonctionne très bien et parfaitement optimisée, qui ne rencontre aucun bug. Mais non, là non, enfin moi j'aime pas, voilà, c'est mon avis. Alors elle n'est pas buggée, hein, elle est fluide, pas de soucis majeurs dessus, mais je n'aime pas, les icônes, on a l'impression de revenir à un système Android 4.0. Autre point, la communication. La communication fonctionne très bien, on m'entend très bien et j'entends très bien les gens. Le lockage 3G, 4G se fait correctement aussi, donc pas de souci de ce côté-là. Voilà, ça c'est un bon point. Il est donc maintenant juste temps de conclure sur le dernier point qui est la sécurité et on en aura fini avec ce Blackview R7. Nous allons donc dans le menu sécurité avec un verrouillage d'écran par balayage. On va enregistrer une empreinte digitale. On continue. Verrouillage de l'écran par code PIN, puisqu'on n'en avait pas mis un. On va afficher tout le contenu des notifications sur la page. On localise correctement le capteur. Suivant.
Et on enregistre. Voilà. OK. On sort de là. On lock. On va déloquer une première fois. On va taper le code PIN. On se relock. Et j'ai lu l'empreinte. Hein. Voilà, je n'y vais. Je reloque. Voilà, donc un capteur d'empreinte qui fonctionne parfaitement. On va regarder si on peut faire du Touch ID complet avec prise de selfie. Et voilà, c'est fait. Donc ça fonctionne parfaitement. Chapeau. C'est un bon point sur ce BlackView, le lecteur d'empreintes. Ça comble un peu les petits manques et défauts qui sont apparus tout de même sur ce BlackView R7. Voilà pour la sécurité. Eh bien écoutez, je pense que c'est le moment de faire la conclusion de ce BlackView R7. Alors lançons la conclusion. Donc, conclusion de cette bête BlackView R7. Alors, les pour sont châssis. Le châssis est superbe, très bien fini, très beau. Les pour, bah, son processeur Helio P10 puissant, faisant le boulot avec le Mali T860 pour la partie graphique. Donc, on va dire un design général plutôt agréable. Moi j'aime beaucoup le dessin du châssis courbé sur les côtés, mais ceci demandait du travail, c'est-à-dire que vous avez du coup une coque arrière bien plate sur le haut et le bas, mais très courbée sur les côtés, ce qui fait que en termes de finition, voilà, vous avez, je le rappelle, ce creux qui est derrière où on entend le collage sur la batterie ou je ne sais quoi, ce qui fait mauvaise impression lorsque vous le tenez, vous avez besoin d'appuyer. Je ne sais pas comment, mais bon, bref, en tout cas, ça fait tache. Voilà, ça sonne pas creux, ça sonne creux. Bref, bon, ça c'est un point négatif. La batterie de 3000 fait le boulot, mais bon, c'est ce que font les concurrents et on a une batterie de 3000 à charge rapide et vraiment rapide. 3000, mais elle ne tient que 5 h 30. Et c'est vraiment son point faible, cette batterie, c'est qu'elle ne tient pas la distance. Dès que vous faites des choses avec ce téléphone, ça ne tient pas la distance. On continue dans les points positifs. Son lecteur d'empreintes qui fonctionne très bien. Et la caméra que j'ai trouvée juste bien par rapport au prix, justement, en fait, de ce téléphone. Une caméra de 13 qui fait, je trouve, très honnêtement, parfaitement le boulot. Ensuite, les points négatifs. Alors les points négatifs, l'écran sans aucun traitement qui garde, mais alors l'ensemble de toutes vos empreintes en quelques minutes, c'est juste une catastrophe. Aucun traitement, rien. Bon, il aurait fallu choisir peut-être autre chose que les boutons rétroéclairés et mettre les boutons Android, ce qui aurait permis d'économiser et pas faire tâche à ne pas avoir des boutons rétroéclairés sur un smartphone à 170 euros. Bon, pas de lettre de notification non plus. Donc ça, c'est vraiment un mauvais point. Donc dans les contres, je mets cette finition vraiment légère de l'arrière qui se déforme, qui semble-t-il est annoncé pour du métal avec un traitement particulier anti-glisse, et mais qui fait vraiment très 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 plastique. Voilà pour le point négatif. Et le point négatif autre, c'est la batterie. Cette batterie qui se décharge vraiment trop vite pour une 3000 mAh. Et bon, je trouve qu'il aurait été peut-être bien d'aller chercher chez un grand fabricant de batterie et d'y insérer peut-être une 4000. Bref, bon, être au niveau par exemple d'un Yumi Super et sa batterie de 4000 qui fait que vous tenez largement la journée. Là, 3000, ça reste très léger, surtout quand c'est pas optimisé. En dehors de ça, bah, écoutez, c'est un appareil qui fait quand même bonne impression, mais je trouve BlackView vraiment trop gourmand en termes de prix. Le Helio P10 ne vaut pas ce prix-là sans
tous ces à côté qui font que vous avez le téléphone parfait en main. Finition arrière, bouton être éclairé, lettre de notification, ce genre de choses. Alors l'autre point négatif qui peut déranger certaines personnes, bon, moi ça me dérange pas personnellement, mais parce que vous avez quand même 32 gigas, mais c'est soit une SD, une SIM ou deux SIM. Donc vous n'avez pas le choix d'avoir par exemple un deuxième tiroir uniquement pour la SD. C'est peut-être un point négatif pour certains. En dehors de ça, vous avez franchement un téléphone plaisant, mais sans plus. Voilà, clairement, plaisant, mais sans plus. Et j'oublie un point négatif, le traitement de l'écran de ses couleurs. Ces couleurs sont vraiment pas terribles. Et l'autre point positif, quand même, je veux pas non plus complètement dénigrer cet appareil, parce que je n'ai pas à le dénigrer complètement. Mais l'autre point positif de cet appareil, c'est tout de même son GPS qui a répondu en quelques secondes. En quelques secondes, 9 secondes, 10 secondes, et avec un fixe quand même de 12 GPS, entre 10 et 12, ça fluctuait, et ça c'est pas trop normal, parce qu'une fois qu'on les a fixés, ils doivent être stables, ça fluctuait entre 10 et 12 GPS fixés. C'est pas mal, c'est largement meilleur que d'autres modèles, mais ça peut être mieux, mais c'est pas mauvais, voilà. Donc un smartphone, du coup, pas mauvais, mais qui laisse dire que, bah écoutez, BlackView a encore des progrès à faire. Un progrès, une avancée a été faite avec ce modèle, mais là, ça montre que BlackView doit encore travailler et qu'il n'est pas au niveau de la concurrence, je trouve. Ça, c'est mes pour et mes contre. Et la conclusion par rapport au graphique que je vous mets tout de suite. Donc en termes de performance, je suis Mi 9, parce que voilà, Heliopédis, Mali-T 860, les jeux sont performants. L'ensemble du téléphone est performant. Design 8, parce que j'aime bien cette courbure ici, dans le biseautage. Hein, donc vous le voyez, c'est plus épais ici au niveau du biseau, plus fin. Donc moi, je déteste pas. Bon voilà, après c'est un avis personnel. 4 pour la finition. Mauvais collage, mauvaise intégration de la coque sur la partie interne du téléphone. L'écran non traité, regardez-moi ça, qui laisse énormément de traces. Donc 4, pas plus, très sincèrement. Dans la finition, je mets aussi les boutons non être éclairés, la lettre de notification, ça c'est clair. La caméra 8, pourquoi? Parce que c'est que du 13, même si elle fait bien le boulot, ils auraient pu faire un effort. Voilà. La batterie 6, parce que là, moi, j'étais déçu, c'est qu'elle ne tient pas la charge, elle ne tient pas la distance, et vous serez obligé de la recharger dans la journée, très clairement. Ensuite, le prix, 6, parce que je trouve BlackView vraiment, vraiment trop gourmand, à 170 euros, 175, même s'il y a des prix actuellement chez certains revendeurs, 170 euros, c'est trop cher. C'est trop cher par rapport à ces détails qui font cette finition, l'écran non traité, pas de rétroéclairage, pas de lettre de notification, beaucoup trop de points qui manquent à l'appel sur ce modèle. Donc, voilà nos conclusions, ma conclusion sur ce BlackView R7. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et vous l'aurez compris, ce n'est pas un Galaxy S7 pas cher, c'est juste un BlackView R7, point, qui demande à progresser. Alors peut-être qu'il y aura un R7 Max, un R7 Plus, je ne sais pas, mais ou un R7 Pro, très certainement aussi, j'en sais rien, mais en tout cas, ce modèle demande à évoluer, à progresser, et des mises à jour doivent être faites par BlackView. Donc pour optimiser l'écran d'une part, la batterie d'autre part, et puis apporter peut-être des petites corrections diverses et variées que je n'aurais pas notées moi, mais que eux auront peut-être vu. Bref, ils demandent à être optimisés et à progresser. Donc, bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner surtout, merci à tous les nouveaux abonnés qui me suivaient, qui regardaient mes vidéos. Ça fait énormément plaisir.
Parce que si une chaîne et si un reviewer existe, c'est aussi parce qu'il y a des abonnés. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à partager à vos amis. Et je vous dis, comme d'habitude, portez-vous bien et surtout faites bien attention à vous. À la prochaine et ciao !